Frères et sœurs, bonsoir à tous. Jour après jour, nous continuons à demander l'onction de l'Esprit-Saint en cette neuvaine, à l'approche de la Pentecôte. Nous sommes au quatrième soir, onction de réconfort. Nous demandons à Dieu d'être présent à nos côtés et nous nous mettons en sa présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, notre réconfort, frères et sœurs, c'est de savoir que le Seigneur est avec nous. Et comment savoir qu'il est avec nous sans recevoir cette onction de réconfort? Cette onction de réconfort par l'Esprit Saint qui nous fait crier Abba Père, qui nous fait reconnaître dans nos bonnes marées noires, dans nos bonnes temps de crise, dans ma difficulté qui nous fait traverser en ce moment, la présence du Seigneur qui est là à nos côtés. Esprit de vérité, onction de réconfort, viens en nous, viens nous révéler la présence du Père et de Jésus. Que tes vivres sont l'inonde de mon âme, que ton Saint-Esprit vient et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Esprit, 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 nous t'appelons Esprit, Esprit, Esprit de Dieu. Esprit de feu, Esprit. Avant sa mort sur la croix, Jésus disait à ses disciples, « Je vous ne laisserai pas orphelin, seul, livré à vous-même, sans soutien, sans réconfort. Je prierai le Père pour vous. Il vous donnera un défenseur, un consolateur. Il sera toujours avec vous. Ouvrons notre cœur pour accueillir la parole de Dieu qui nous est donnée dans Jean 14, chapitre 14, versets 16 à 18. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas, vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais.
et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, onction. Onction de l'Esprit-Saint dans le réconfort que cet Esprit-Saint nous donne. Jésus nous dit, dans l'évangile que nous venons d'entendre, qu'il nous offre, nous donne un autre défenseur. C'est-à-dire que lui-même, il prend notre défense. Et s'il envoie sur nous son Esprit, eh bien, son Esprit va accomplir en nous la même chose que Jésus a faite. Le contraire du défenseur, c'est l'accusateur. Et vous savez, dans la Bible, l'accusateur, qui c'est ? Satan. Le mal nous accuse. Le mal nous dit, mais avec tout ce qui te fait, quand te trouverais confort ? Le mal, le Satan, ne cesse de nous piquer, de nous accuser. Si notre cœur nous accuse, si le Satan nous accuse, nous avons un défenseur. Celui qui prend notre part, celui qui donne sa vie pour nous. Et c'est cela notre réconfort, non pas dans nos bonnes œuvres, parce que comment nous capaveran au Seigneur le bien que nous avons fait. Non, notre réconfort se trouve dans le fait de nous savoir aimer. Et c'est l'Esprit Saint qui nous rappelle. Jésus nous dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Et Saint Paul le confirme en disant, vous avez reçu un Esprit Saint qui vous fait crier, Abba, Papa. Papi Dou, Papi Coco, Papi Chéri. C'est ça l'Esprit Saint. Oui, c'est ça notre réconfort. Donc que votre cœur ne soit pas bouleversé, frères et sœurs. Ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur. Soyez dans la joie. Car le Père est pour vous et l'Esprit Saint nous le rappelle sans cesse. Soyez réconfortés par cela. Dans le monde, un peu comme nous qui vivons au cœur de ce monde où cohabitent beauté et laideur, fraternité et discrimination, tendresse et violence, justice et corruption. Il est bien difficile d'être disciple de Jésus dans un monde de confusion et de consommation. Nous sommes parfois ridiculisés à cause de notre attachement au Christ. Nous sommes parfois traités avec mépris. Ce monde éphémère, cette culture où tout s'achète, nous rend aveugles. Aussi, en nous laissant illuminer par l'amour du Christ, nous aurons une vision plus belle de la création et d'une fraternité plus juste. L'accumulation de grandes richesses et toutes sortes de prestiges, de pouvoirs, ne nous offre pas le vrai bonheur. Alors nous mangerons notre propre frustration et boirons notre tristesse assise sur notre divan de solitude. Seul Jésus peut nous introduire dans la vérité qui nous rend libres. L'Esprit Saint, promesse qu'ils aient faire en ce ban disciple, éclaire-nous l'esprit et réchauffe nous les cœurs. Les nous lire paroles aisées et cause en lit dans nous la prière.
nous pour recevoir la paix que Jésus donne le monde, qui est toujours avec nous. Emmanuel. Je te prie pour ceux qui croiront en ton nom. Merci Jésus de prier pour nous qui croyons en toi. Nous voulons te suivre sur le chemin de l'évangile de la joie. Donne-nous du malin. Ne laisse pas le découragement de la tristesse envahir notre cœur. Donne-nous le courage et la patience dans nos combats et dans nos moments d'infidélité et de doute. Seigneur, donne-nous de renoncer à toutes les solutions nos responsabilités et dans tous nos choix. Que nous puissions aller jusqu'au bout de tout ce que nous entreprenons. Jésus, toi qui nous aimes jusqu'au bout, donne-nous aller jusqu'au bout de tous nos engagements de disciples. Seigneur, je m'abandonne à toi. Oh, prends mon âme. Oh, prends mon âme. C'est moi qui vous réconforte. C'est bien moi, dit le Seigneur. Une nouvelle fois, tu me consoleras. Tu me rendras mon honneur. Et moi, je te louerai au son de ma harpe. Mon Dieu, je te chanterai ta fidélité. Je te célébrerai aux accords de la lyre. Toi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Je te célébrerai par mes chants. Mes lèvres crieront ma joie, car tu m'as libéré. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Viens, viens en nous. Ceux qui sont tout en bas, il les relève. Ceux qui sont dans le deuil retrouvent la joie. Moi, je suis pauvre et souffrant, mais ton secours me protégera, ô Dieu. Viens, viens en nous, Père des pauvres. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, viens, viens en nous. Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Viens en nous, Père des pauvres.
viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Viens, viens en nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Car je réconforterai ceux qui sont épuisés, et je donnerai tout le nécessaire à ceux qui dépérissent. Viens, viens en nous, Père des pauvres, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort, viens, viens en nous. Ce jour-là, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Viens, viens en nous, Père des pauvres, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort, viens, viens en nous. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps, mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Viens, viens en nous, Père des pauvres. Viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, viens, viens en nous. Saint-Esprit, en te l'heure, l'âme lui dans la soie, thank you.
prière qui Jésus enseigne nous ne peut être dite sans l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas dire Seigneur, nous ne pouvons pas dire Abba Père sans l'action de l'Esprit Saint en nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, laissons l'Esprit Saint ensemble nous tourner vers le Père et à nous dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, merci pour votre présence en ce quatrième jour de neuvaine. Nous vous donnons donc rendez-vous demain pour le cinquième jour pour qu'il nous capable continuer de demander cette onction de l'Esprit Saint sur nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans l'onction, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.